avec Yacine Najid, extraordinaire grappleur qui finit ses adversaires en très peu de temps. C'est ta deuxième ou troisième victime ce soir avant même l'entame de ce premier round, dans tout début de combat. C'est surprenant, c'est incroyable. Raconte-nous ce combat tel que tu l'as vécu. Je m'étais bien préparé hein, à la Free Fight Academy en pied-point et à Winner Fight pour le sol. Et donc là, la stratégie, il avait gagné les contenders, moi j'ai remplacé mon frère qui s'était blessé 2 semaines avant. Et j'étais sur une lancée, j'avais pas mal de combats. Donc là, l'idée, c'était quand même de striker un peu, parce que j'ai vu qu'en lutte, il était assez solide. Striker un peu, essayer de le perturber et voir s'il y avait des opportunités pour lutter. Donc voilà, j'ai réussi à l'amener au sol. Et une fois au sol, il m'a attaqué et j'ai pris la guillotine. J'ai saisi l'opportunité et il a tapé. Donc, est-ce que tu as déjà des autres combats de prévus? Là, j'ai fait une petite pause. Ouais. Une petite pause, au moins. Petite pause, un mois ou deux, hein. Parce que là c'est vrai qu'il est enchaîné là. Je fais une petite pause et j'espère avoir d'autres opportunités. Voilà, on va continuer de s'entraîner, continuer de travailler le physique, le sol, le pied-point pour essayer d'être le plus complet possible et de prendre d'autres adversaires. Bah, félicitations à toi parce que vraiment c'est épatant ce que tu fais. On espère te voir au plus haut niveau parce que je crois que ça le mérite. Bah, merci. Et puis à très très bientôt pour la suite. Hein. Merci, à bientôt.